発火村乱亭もそこへ向かった。Salut à tous, je suis Vieri et je suis toujours accompagné de Bégito. Salut Bégito. Et salut à tous, salut Vieri. Voilà, on est ensemble pour le début de ce CD4. Regardez comme ça change l'ambiance. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais le début. Alors on va poser une question et pendant ce temps on va un petit peu parler. Le village de Bailu. Le débarquement rappelle assez le débarquement du premier CD à Hong Kong. Et c'est exactement les mêmes plans. La caméra qui tourne de la même façon que ça. Je sais pas si c'est un hommage, si c'est un truc. Oui, lui il a une belle tête, une belle coupe de cheveux. Il est rasé au-dessus avec un petit tour de cheveux. Je sais pas ce qui se passe avec sa coupe de cheveux. Alors voilà, en fait l'objectif de ce CD, on est dans la province de Guilin et on doit aller trouver le village de Bailu afin de trouver je sais plus quoi, afin d'avoir des renseignements tout simplement sur l'anti qui se trouve ici apparemment. Donc on va en apprendre plus en se rapprochant du village de Bailu, évidemment. Voilà. Et là, il nous a dit le gamin d'aller voir son père, parce qu'apparemment, il sait tout. Et donc, nous allons voir s'il sait tout. On voit, ça change complètement d'ambiance. On est complètement dans un village, dans la nature. On va le voir sûrement plus précisément par la suite. Il a une casquette poisson. Bah oui, c'est un poissonnier, donc il a une casquette poisson. Alors, le motif n'est même pas imprimé sur la casquette. Il est collé en fait. Il est même pas en relief sur la casquette. Plusieurs montagnes. Ah d'accord, mais c'est pas à côté. Il va falloir marcher apparemment. On va y aller en vélo. Un VTT, un truc comme ça, ça serait sympa. De toute façon, Ryo il court vite et il a l'endurance infinie. Et on sait que Ryo aime bien tout ce qui est deux roues. Il a son permis moto. On a pu voir des séquences à moto dans le premier Shenmue qui étaient assez épiques. Ça veut pas dire qu'il conduit une moto qu'il a le permis. Ah si, il a son permis moto, c'est clairement expliqué sur plusieurs sites, dans sa biographie et tout, etc. Enfin sa biographie, dans sa description. C'est quelque chose de sûr et certain, il a son permis moto.
Ouais, les décors, hein, c'est vraiment très naturel, très posé. Ça change un petit peu de la ville de Hong Kong et de... comment s'appelait déjà la deuxième ville? Kowloon. Kowloon, c'est autre chose. Ouais, il est avec son petit-fils assis faire un pique-nique, je sais pas quoi. Des papillons, c'est sympa. Ça me plaît cette ambiance, ça me plaît beaucoup. Là, on trouve l'aspect poétique qui se dégage du jeu. C'est un peu l'aspect qu'on voyait dans les trailers, quand on voyait Shenmue. Voilà, et puis attends, on va en parler quand on l'aura rencontré. Là pour l'instant. Oh, ça spoil! Pas de spoil du tout. Bah, on sait pas qu'on l'a rencontré dans Shenmue 2. Non, non, ouais, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les génériques, évidemment. Ah oui. Bon, mais bon, vous ne regardez pas les génériques, évidemment. Il nous raconte sa vie, on continue. Regardez-moi ces décors. Magnifique, on profite un peu du paysage, de la musique. Moi je suis toujours autant sur le cul, de toute façon je le répéterai jamais assez. Dans Shenmue il y a juste une putain d'ambiance. Et regardez, il y a un villageois qui flâne. Ah ouais. Tout simplement, Shenmue c'est le jeu le plus immersif qui existe. Alors peut-être pas à l'heure actuelle, mais... Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a pas plus immersif. C'est clair que l'ambiance qui s'y dégage... est facile de, c'est facile à s'intégrer dedans, c'est sûr. Regarde les panneaux, ici lire le chinois, pas de problème. Le village de Pailou se situe dans cette direction. Ah, même si les textures sont un peu moches ou quoi, visuellement quand même ça claque. C'est artistiquement c'est super réussi. Oui, bien sûr, y a pas de souci. Alors champ verdoyant. Super, ben parfait, parce que j'aime bien les champs verdoyants. Et cette musique, écoutez, on va se taire un peu. Alors ça c'est génial, alors elle est un peu plus rythmée que les précédentes. Et c'est tout aussi génial. Et on longe un fleuve. Un fleuve qui a l'air assez propre pour un fleuve chinois. Ah, là, c'est dans un milieu, t'es dans un milieu naturel aussi. Un milieu rural, effectivement. On risque pas de trouver de cadavres, de ce genre de trucs. ou des déchets toxiques. On peut voir des papillons, des fois, des oiseaux. Non, les oiseaux, ouais, c'est ça. Ça serait bien qu'une petite biche traverse le petit chemin de terre, ça serait sympa. Mais je ne pense pas qu'on peut trouver des animaux modélisés en temps réel comme ça. Qu'ils aient une IA et tout ça. Quoique dans l'autre ville il y avait des chats, des chiens. Ouais. Ah là c'est possible. Peut-être un combat contre un ours, on sait jamais. Autant vous le dire tout de suite, ce CT est plutôt court. Ah, et le temps qui se gâte. Ah, il a pas de chance, juste quand il arrive. Quand il arrive dans cette ville, qui visite tranquillement, il se met à pleuvoir. C'est pas sympa du tout ça. Alors là, il a vraiment retrouvé sa sagesse. Ouais. On a pu le voir dans... On n'a pas parlé du dernier CD, mais il est retourné à Hong Kong pour récupérer ses affaires et pour dire au revoir à tout le monde et surtout à Chuyin qui donne une cinématique sublime où elle s'entraîne, elle fait des mouvements un peu à la Bruce Lee, tout ça. C'est du Tai Chi? Je sais pas, non, c'est son art martial qui est pratique, mais elle fait ces espèces de flou artistique où les mouvements se décuplent et c'était un truc qu'on trouvait dans les films de Bruce Lee. Ah, il y a un petit fond qui se doit décrire. Tiens, on parlait de Shenmue justement. Alors, on n'est pas censé la connaître à l'histoire, mais bon, pour ceux qui ont fait Shenmue, on la connaît depuis le. Elle est sur la jaquette, elle est présentée en tant qu'héroïne depuis le début. Ouais. Et on mais la rencontre que. Ouais. Et il rêve d'elle, Ryo. Il la connaît pas du tout, il rêve d'elle d'ailleurs. Et.
pas, mais est-ce qu'il va y faire allusion? C'est un magnifique plongeon, moi je lui mets 10 sur 10. Cette magnifique nage avec courant. Par contre, Ryo lui a fait un groupe là, quand il a plongé. Tout dans les vagues, il est revenu comme ça. J'ai vu l'animation du fin, on dirait un robot, tu sais, quand tu vas dans le parc d'attractions où il y a des petits automates tout mal faits, tu sais. On dirait que c'est ce genre d'animation tout mal fait. Il a contourné. Yes, il les a chopés. Ah super, ils ont été sauvés. Et le fin, est-ce que le fin a été sauvé? C'est la question, parce que moi je continue pas à jouer tant que le fin n'est pas sauvé. Ouais, shikkarishiro. Ah, c'est bon, tout va bien. Regardez-le, son bon air de robot. C'est bon, on peut jouer tranquillement. On a l'esprit serein. Ah, parce que si en plus de venger son père, il faut venger le fin, je dis pas. Venger contre quoi? Je sais pas. C'était pour faire une blague. Contre le courant, il va se battre contre l'eau. Ah putain. それに白い鹿は私の村の守り神。守り神。白い鹿。村。ハッカソン。私の村。ハッカソン。どこにある?この川を登った先にある。遠いのか? Apparemment c'est loin. Watashi, Shenfa, anata wa? Ore wa Ryo. Hazuki Ryo da. Ryo, suite kite. Mais je me demande toujours si c'est Ryo qui parle chinois ou si c'est tout le monde qui parle japonais. Non, là en l'occurrence je pense que c'est lui qui parle chinois, hein, parce qu'il sait lire les panneaux et tout ça. Alors c'est vrai qu'il y avait une incohérence avec Joy qui parlait chinois et lui il comprenait pas. Peut-être un dialecte spécial, je sais pas. Ouais. Peut-être pas le mandarin. Ouais, c'est vrai. Ryo. Mais anata wa doko kara kita no? Ore ka? Ryo wa kono kuni no hito janai desho? Ah. Ore wa Nihon kara kita. Nihon? Alors là, ils vont pas mal discuter sur le chemin, mais pas trop parler. Le Japon, où est-ce que c'est? Tu parles japonais et tu sais pas ce que c'est le Japon? Tu te fous de ma gueule. Toi, non? Eh? Ah. Toi, na. Gaikoku da kara na. Higashi no toi kuni. Dou shita? Nan demo nai. Shenfa. Nani? Ryo. Hakkason te. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est une cinématique, mais là c'est en fait c'est le jeu. Ouais, c'est du temps réel. Hakkason madewa kanari toi indaro. Yama o futatsu koeta, sono saki. Les cinématiques qu'on les reconnaît au bandement. Yama o futatsu ka. Ouais. Shenfa wa zutto Hakkason ni sunderu no ka? Ee, chiisai koro kara zutto. Kazoku mo? Otousan to watashi, zutto futari de kurashiteru no.
Après, bon, on dit ça, les cinématiques sont aussi faites avec le moteur du jeu, mais elles ont des animations spéciales, alors que là, c'est les animations du jeu. Ouais, tout simplement. Il y a juste la caméra qui change de temps en temps. 50人くらい. Ah, c'est un tout petit village, 50 personnes. Les gens sont tous bons. Ils vont bien se faire. C'est un bon endroit. Oui, il y a des forêts, et il y a des choses difficiles. Mais tout le その山の恵みで暮らしている。山の恵みか。この先村へ近づけばどんどん道が険しくなっていくんだな。ええ、これから山を越えていくから、もし疲れたら行って、ゆっくり行きましょう。Allons-y lentement, mais pourquoi pas? Wow, c'est magnifique. C'est magnifique, comme ça. Puis cette musique aussi. C'est quoi? Nani?On va un petit peu discuter, c'est les ruines, il faut la connaître. Kaelin de mon furui mura d'atte. Ojisan kara kita koto ga aru. Furui mura ka. Eh. Tou no jidai kara tsuzuku furui mura. Tou no jidai kara. Sono mukashi, koutei no ikari ni furete, miyako o wareta kijin ga, kakure sumu tame ni tsukutta mura da to tsutae rarete iru. So ka.D'accord. Ces personnages qui sont prédestinés à se rencontrer. On y est enfin. Vraiment deux élus, quoi. Qui n'ont rien à voir de par leur culture, de par l'endroit où ils vivent. Et pourtant, qui sont prédestinés à vivre une aventure. D'autres un petit peu plus à découvrir dans ce CD. C'est pas.Nani? Allez, dépêchons-nous. Saki o isogo. Tout ça pour dire de passer directement à la suite. Ouh, ça change, des formes en fleurs. この木は金木犀この先にも咲いてるそうか綺麗でしょああこの季節になるとどの木もいっぱいに花をつけるのよ金木犀かそう中国では木犀の木をカツラって呼ぶの木犀が林のように多いからカツラの林ケイリンっていうのそうだったのかたくさん咲いてるなええ山ごと金木犀の花に包まれたみたい行きましょうよなあスーパーガンマスデコエケミキテトンエンエフェセボAlors parlons des montagnes un petit peu. Où on va, c'est la même route. Cette région, c'est la même chose. Shenfa, tu n'as pas hésité sur la route? J'ai eu des petits jours, mais si tu as hésité, tu vas aller sur la route. La route de la route?山の動物たちがいつも通る道よ。Là où il va rire. それをたどっていけば、水のあるところで。Dans la forêt. どうやって見つけるんだ。動物たちの足跡を探す。足跡か。シェンファーは動物のこともよく知ってるんだな。子供の頃から森で遊んでたから。Dérivé de son chemin. 自然と覚えたってことか。うん。ほとんどのことは父から教わったの。お父さんか。ええ。森や山のこと。Son père, c'est un baroudeur, apparemment. Il a appris à survivre dans la jungle. Soka. C'est une sorte de Charlene Gant. C'est ça. Version chinoise. Donc, c'est fini pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. Et donc, on se dit rendez-vous pour le prochain épisode. A plus tout le monde. A bientôt.